sorte de cri d'alarme concernant l'aide humanitaire à octroyer aux réfugiés sahraouis, mais qui est quand même détourné. Il y a un rapport de l'OLAF. Pourquoi en ce moment ce cri d'alarme? Cela fait de nombreuses années qu'on sait qu'une partie de l'argent de l'Union européenne qui sort de la poche des contribuables des pays de l'Union européenne, cet argent, il est en partie détourné puisqu'il n'arrive pas toujours à son objectif, c'est-à-dire de l'aide humanitaire pour des personnes en difficulté sur le Sahara. En réalité, on a cet argent qui est pris en main, on s'en est rendu compte avec un récent rapport de l'OLAF, pris en main par le Front Polisario, qui est une organisation d'extrême gauche, une organisation marxiste, qui est liée au pouvoir algérien et qui revendique l'indépendance d'une partie du Sahara occidental, c'est-à-dire qui remet en cause l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. C'est évidemment une situation inacceptable. On ne peut pas tolérer que l'argent des Européens soit ainsi utilisé par des organisations mafieuses qui instrumentalisent des réfugiés, des situations humanitaires difficiles pour récupérer des fonds européens au service d'une cause qui est celle de l'Algérie contre un partenaire stable, ami des pays européens qu'est le Maroc. Mais comment ça se fait que depuis de nombreuses années, depuis 2007, il y a un rapport de l'OLAF dans ce sens qui indique clairement qu'il y a une grande partie de l'aide humanitaire du contribuable européen est détournée en faveur des dirigeants du Polisario et aussi des militaires algériens. Comment ça se fait qu'ici, qu'on ne bouge pas là? Mais je crois qu'il y a une volonté, malheureusement, ici au Parlement européen, de différents groupes politiques, notamment de la gauche, des Verts, de l'extrême gauche, de cacher cette réalité, de cet argent qui est détourné au profit du Polisario, au profit de l'extrême gauche, au profit du pouvoir algérien, alors que normalement cet argent est exclusivement accordé à l'aide humanitaire. Donc on voit bien qu'il y a une dérive très inquiétante. Et aujourd'hui, eh bien, le groupe Identité et Démocratie, que nous représentons, 76 députés issus de 10 pays différents, eh bien, sont là pour dire la vérité. L'argent des Européens ne doit pas être utilisé au service d'une organisation d'extrême gauche qui remet en cause l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Qu'est-ce que vous comptez faire dans les prochains jours, dans les prochains mois? Eh bien, nous allons alerter l'opinion publique, nous allons dire la vérité ici dans l'hémicycle du Parlement européen, nous allons poser des questions écrites extrêmement précises à la Commission européenne pour que, enfin, cet argent cesse d'être détourné. Ça fait des années et des années que ça dure. Ce sont des dizaines et des dizaines de millions d'euros qui, au lieu de servir à l'aide humanitaire, sont arrivés directement ou indirectement dans les poches du Front Polisario, qui est une organisation ennemie des pays européens, qui est une organisation d'extrême gauche marxiste, inféodée au pouvoir algérien et qui aujourd'hui veut l'indépendance d'une partie du Sahara occidental qui pourtant est une pleine possession du Maroc. Donc cette situation, elle n'est pas acceptable. Nous sommes attachés au respect des souverainetés nationales, au respect de l'intégrité territoriale des pays, a fortiori des pays proches de l'Union européenne avec lesquels nous avons des relations commerciales. Le Maroc est un grand pays, ami, avec lequel nous devons avoir des relations privilégiées et il ne faut évidemment pas que l'argent des contribuables européens se retrouve dans les poches d'organisations mafieuses d'extrême gauche inféodées au pouvoir algérien.